Nous avons payé de l'argent pour les avions. Mais l'armement pour monter sur ces avions, des pays occidentaux refusent de donner la licence pour ça. Il faut citer la vérité. Il y a une coalition internationale contre le Burkina Faso. Ne soyons pas partisans de ça. Ne mettons pas notre paix à feu. On sait pourquoi. Cela vient du fait de la ligne directrice que le Burkina est en train de prendre maintenant, qui échappe à tout le monde. Tantôt, on vous dira attention, tout ce que disent les autorités. Ce que disent les autorités burkinabè, c'est le langage des Russes, non. Je vous confirme qu'aucun russe ne peut me dicter un mot à aucune autorité quelconque du Burkina. L'autre aspect, soyez aussi rassuré qu'il n'y a aucun militaire, aucun élément de Wagner sur le territoire du Burkina. Nous sommes en train de nous battre nous-mêmes. Encore merci pour les contributions que vous faites pour le FDS, merci pour les contributions que vous faites pour les volontaires pour la défense de la patrie. Soyons solidaires, cette lutte-là, nous devons la mener nous-mêmes. Ne comptons pas sur quelqu'un. Sinon, par cette campagne médiatique aussi qui est menée, prenons en garde. De grâce, nos portes sont ouvertes, nos services sont ouverts, H24, pour celui qui veut chercher une information. Nous avons des officiers de liaison, au niveau de l'état-major général des armées, tout comme le ministère de la Défense, ou le ministère de la Sécurité. Pareil. Contactez-nous à tout moment. Et ce que nous allons demander, ça c'est pour faire sur le terrain, quand attention à les nouvelles menaces. Avec ce qui est mené sur le terrain, avec ce qui se passe sur le terrain, la désorganisation totale, il faut bien que les gens cherchent à se manger. Et à nous d'être vigilants, à chacun, que nous ouvrons les yeux et les bons yeux pour écouter. Les oreilles pour également très bien écouter. Les doigts et la voix pour pouvoir porter l'information nécessaire. Des numéros ont été donnés pour faire des alertes. C'est à la disposition de tout le monde. Quelque chose que je vois que je n'informe pas, c'est comme si je fais tuer les Burkinabè. Pas par ignorance, mais parce que j'ai péché. Je ne dois pas voir quelque chose et je ne le dis pas. Attention, on va peut-être s'attendre à des camions piégés, des attentats suicides, des camions bélier, ça peut arriver. Donc chacun va avoir le lieu, chacun doit avoir le lieu pour qu'on puisse reporter ce que nous voyons. Il y va de l'intérêt de tout le monde. Ce n'est pas pour chercher à avoir le pouvoir demain après demain, ce n'est pas cela. En attendant, c'est la survie de la nation, c'est la survie de l'État burkinabè qu'il faut chercher. Nous ne sommes pas là pour dire des faux, des trucs, mais nous voulons que nous parlons un langage clair, un langage de vérité. On considère la vérité. On a un sabre, on se donne la main pour mener ce combat. Personne ne le fait à notre place. Déjà, nous sentons qu'il y a beaucoup de réticence de certains de nos partenaires. Même pour accueillir des armes, vous imaginez, on paye le bouquin, on paye des armes avec un état A. Cet état A, avec le matériel qu'il fabrique, a besoin des matériels d'un état B, C, D comme ça. Pour que le matériel soit complet, puisque les gens travaillent sur cette chaîne. Malheureusement, ces états B, C et D, malgré les accords que nous avons entre nous, malgré le partenariat qui dit que nous avons entre nous, je vous le dis, ils refusent de licence pour que ces matériels soient complètement vendus. Et ça, ça se passe actuellement. Nous avons payé de l'argent pour les avions, mais l'armement pour monter sur ces avions, des pays occidentaux refusent de donner la licence pour ça. Nous avons payé un avion pour les transports qui a été bloqué pour un problème de pièces. Malgré la garantie, le pays qui nous a vendu l'avion, il a répondu avec ses autres partenaires pour pouvoir livrer la pièce. Pourquoi? Pourquoi cela? Ce qui est curieux, on vous dira, au Burkina, le terrorisme, tout le monde le reconnaît. Les terroristes au Burkina sont affiliés à Al-Qaïda, sont affiliés à Daesh. Mais dans ces mêmes pays, dans tous les documents, c'est écrit
nous devons combattre Daesh, nous devons accueillir, nous devons tout ce là où ça se trouve. Curieusement, au Burkina, ça se passe, ils n'interviennent pas. Pire, ils sont en train de bloquer pour le matin qu'on puisse avoir, avec nos maigres ressources. Ça, c'est la réalité. Il faut qu'on le sache, que nous utilisons nos propres moyens. Dieu merci qu'il nous donne l'intelligence d'avoir nos bras, nos mains, nos intelligences, mettons ensemble pour que ce pays la tienne. Ce drapeau-là, il est gris, on doit tout faire pour notre drapeau, mais dans la main, on le mettait dans la bonne position verticale, qui puisse flotter convenablement au profit de tous les gouvernements.